thank mm -hmm. you Bonjour, alors c'est Solidaire d'abord, cette émission sur Fréquence 7, pas pareille, différente, et aujourd'hui on va, on va parler d'un sujet qui touche euh, tous les citoyens, en fait c'est comment à un moment un lâcher dans un barrage, le barrage de Col des Collanges, a pu se faire avec peu peu d'informations pour les citoyens aux, aux alentours, en tout cas. Et il semblerait que euh, voilà, les citoyens ont, ont eu une, un gros moment émotionnel sur le fait que euh, les choses se sont passées peut-être pas avec une concertation suffisante. Autour de la table, il y a à la fois la Frapna, euh, l'association BED, il y a Guillaume Vermorel pour Europe Ecologie Les Verts, je ne dis pas de bêtises, et puis Gaëtan. Euh, à Abouzi euh, pour, pour euh, la, la, la société de pêche. Fédération, de, Fédération. de pêche. Et voilà, je savais que j'allais faire une bêtise encore. <laughs> voilà, alors Gaëtan, euh, bah, vous souhaitiez euh, commencer en fait. Oui, bon, c'était juste pour faire un petit rappel euh, du contexte euh, des, derniers, des derniers jours, début octobre, euh, de ce qui s'est passé, euh, parce qu'on a été très proche de, de cet événement-là. Euh, on en a été très proche depuis, depuis même les, les dernières années. Euh, car juste avant la, la, la réalisation de ces travaux, euh, on, a, on a essayé d'empêcher, en tout cas, cette, cette réalisation de vidange euh, par un recours gracieux auprès de la préfète, et puis par un référé liberté, euh, donc au tribunal administratif de Lyon, sur lequel on a été rebouté. Euh, donc donc euh, lâcher d'eau sur le barrage des collanges Exactement, lâcher, enfin c'est une vidange euh, du barrage des collanges une vidange expérimentale. Donc c'est un protocole expérimental qui a été mis en place par le SDA et sur lequel nous on s'est euh, on s'est pour euh, pas que ça se, ça se réalise parce qu'on savait très exactement ce qui allait se passer en tout cas sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire les poissons, les macro-invertébrés et la rivière euh, et l'usage pêche. Euh, donc, on a essayé d'empêcher cela. Euh, et le, le, donc le 2 octobre, la nuit du 2 au 3 octobre, euh, c'est là que la vidange, euh, enfin la vidange s'est augmentée parce qu'elle avait déjà commencé un petit peu auparavant. Et euh, il y a eu donc un très gros lâcher euh, une ouverture de la vanne de fond de, du barrage, qui a du coup euh, conduit à une mortalité très importante des poissons, des macroinvertébrés, euh, des écrevisses. Et, polluer aussi en aval donc euh, l'air lieu euh, par des métaux lourds. et, euh, et ce qui se... enfin, On a été sur le, sur, le, sur le quai vive, en tout cas on était sur place le, le matin même à 6h avec un huissier pour constater tout cela. Euh, voilà. Alors après, le, le, le problème est encore euh, encore en cours. Ouais. Euh, on va justement en parler à, avec tous les collègues là autour de ouais. autour de la table. Alors vous, vous disiez, euh, vous, il faut arriver à dépassionner le débat parce qu'en fait, oui. il y avait quand même une grosse grosse émotion en se retrouvant face à les à C'est très important de dépassionner le débat et de rester que sur euh, sur des choses factuelles parce que quand on, on se retrouve au bord de l'eau. Euh, peu importe qu'on soit amoureux de la nature, environnementaliste, euh, usager de la nature, euh, quand on voit ce qui s'est passé et qu'on est vraiment au bord de l'eau devant ce cimetière euh, à ciel ouvert de, de, de poissons et, et encore ça c'est que la chose qu'on voit euh, parce qu'il y, y a un impact beaucoup plus important sur sur la vallée. Euh, émotionnellement c'est très dur pour pour le coup pour y être euh, dès le matin même. Euh, mmh. C'était vraiment un choc pour moi quoi. Donc euh, peu importe peu importe quel euh, quel habitant, quel usager, enfin peu importe qui on est, quelle passion on a, etc. C'est quelque chose qui est très dur à voir et, et d'en parler, euh, en tout cas de débattre autour de ce, ce, cette problématique-là, il est très important d'enlever euh, l'émotionnel parce que sinon on ne on, on, on va pas être dans, bon, dans un bon jugement. Quoi. Alors il y a une enquête en cours et vous avez déposé une plainte. Hein. Alors nous, la Fédération départementale de Pêche, oui, on a déposé une plainte contre X, donc auprès du, du procureur de, de Priva. Et donc l'affaire la plainte, la plainte, la, enfin, la, la, judiciaire est en cours euh, par la gendarmerie donc, du, de Saint-Agrève euh, et euh, l'Office français de la biodiversité. — Là, on est un mois après, hein, puisque... — On est, est pile-poil un est, mois après. Ouais, — C'est voilà. ça. Hein, C'est passé oui. il y a un mois. Alors euh, il y a l'association BED. Alors il va falloir nous dire ce que ça veut dire. — Bassin environnement... Euh développement, la vallée de l'airieux. D'accord. Et donc, euh, vous, euh, Abed, vous êtes là, présent sur ce, euh, en réacti réaction par rapport à, à tous ces événements qui se sont faits sur ce barrage, cette construction, etc. La, la façon dont toute cette chose s'est passée de façon historique depuis très longtemps Bien sûr, donc... Euh, euh, euh... On est depuis le début de la création du barrage euh, sur le qui vive parce que déjà il y avait des, 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 des choses qui nous paraissaient pas du tout appropriées. Il, faut, il est né dans les années 70, l'idée du barrage. Pour faire un projet touristique important avec euh, un projet immobilier pour développer, on pensait qu'à cette époque-là les gros trucs euh, ça marchait bien pour développer un peu le territoire des Boutières. Donc euh, il y avait plusieurs usages. Il y avait constitué une récolte une réserve d'eau agricole. Il y avait le développement du tourisme, bien sûr, nautisme, etc. Produire l'électricité et puis euh, voilà, c'était euh, euh, un beau projet et euh, son financement a mis 10 ans pour arriver. Il s'est construit. Euh, et ensuite, euh, euh, il y a eu toujours des dysfonctionnements permanents. Il faut dire qu'il s'est construit sur une ancienne décharge de 40 000 m3 qui a été enfouie et qui est toujours sous l'eau, plus ou moins... Euh, il euh, y, y en reste beaucoup encore. Hein. Tout n'est pas parti, tout est là. Ensuite, ce barrage, il euh, y a eu des études. Euh euh, qui ont été faites et euh, cette euh, euh, décharge d'ordures à la fois ménagères et industrielles, puisqu'il y en a des industries assez, dans, assez fortes, euh, sur, avec un impact fort sur les milieux, à savoir qu'il y avait des textiles, il y avait de la bijouterie, il y en a encore un petit peu, mais ça a bien, bien fondu. Euh, il y avait tannerie et teinture. Donc euh, là, tout, tout partait dans les rieux euh, au fil de l'eau. Et ça, ça, ça s'est stocké dans le barrage une fois que le barrage a Alors, été Alors bien sûr que le barrage a été construit, ensuite mis en eau. Malgré euh, malgré tout ça, ils ont plus ou moins caché ça avec des bâches euh, goudronnées, et puis euh, ça a eu lieu. Euh, ensuite, il euh, y a eu déjà des, des difficultés. Euh, on a remarqué des difficultés sur ce barge parce qu'il y avait un manque d'oxygénation. Il y avait de l'eutrophisation. Il y a eu interdiction avec la présence des, des déchets, interdiction de se baigner dès la troisième ou quatrième année. Déjà, donc le, le, le tourisme, euh, c'était terminé. Ensuite, c'était l'époque aussi où on finançait l'arrachage des pêchés. C'était la, la descente de l'industrie de la pêche, si on peut le dire. Donc, deuxième raison, euh, qui était pour irriguer les pêchés, bah, euh, ça, ça a été euh, un peu terminé. Voilà. Puis ensuite, il y a eu un tas d'histoires euh, euh, sur euh, les, euh, les pré-traitements des industriels, donc ils voulaient pas vraiment le, le faire. Il y avait une obligation de créer des des, des des traitements à la sortie des usines. Euh, ça, s'est pas fait. Ça a coulé encore pendant. Une, 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 une... Bonne douzaine d'années dans les eaux du barrage avec des produits toxiques et, et voilà. Donc là, on, on peut imaginer que dans le barrage, il y a ce stock qui, es petit, qui petit à petit est allé au fond, sans doute. C'est ça. ça ce, la, la, la décharge, elle était sur un des bas-côtés. Et puis ensuite, le barrage aussi. On n'a pas vraiment euh, travaillé sur l'évacuation euh, des sédiments, puisque quand la rivière tombe, coule du haut, elle apporte des sédiments impressionnants. Et euh, tous ces sédiments se sont recouverts la décharge. Euh, ce les eaux font, enfin là, on ne sait pas du tout. Euh, euh, ce qu'on euh, qu va découvrir, mais il va falloir vraiment euh, faire quelque chose. Voilà, donc euh, sans assainissement, la pollution a continué euh, un moment. Ensuite, il y a eu, euh, là je pourrais peut-être euh, laisser parler euh, oui, monsieur, pour euh, les activités récentes qui ont été menées, notamment les études qui ont été faites pour trouver des solutions, pour rétablir un fonctionnement au mieux, normal, enfin, ouais. euh, si possible, normal. Alors, autour de la table, on a aussi Ginès Martinez pour la FRAPNA. Oui, et bon alors, bonjour. Donc, euh, euh, vous vouliez... En euh... fait, si on peut résumer, on va revenir, hein, on va le développer, mais si on peut résumer, ce barrage, le barrage à problème, depuis 40 ans, depuis euh, qu'il a été conçu. Ça. Il a été conçu sachant qu'il se fait sur une décharge, il a été conçu et érigé alors que pendant 8 ou 9 ans, les, déchets, les effluents industriels de ces industries qui étaient beaucoup plus abondantes qu'aujourd'hui sur cette vallée sont déversés. Il se fait également euh, par euh, peut-être aussi une erreur de conception euh, qui est celui de, de la gestion des sédiments. La gestion des sédiments dans tous les barrages, il y a cela, que ce soit des canaux, des barrages, quelle que soit leur géométrie, de montagne, de plaine, etc. Mais. <coughs> Jusqu'aux années 80, ça a été une, je dire, un angle mort hein, des concepteurs, parce que les obligations et les lâchers effectivement qui permettaient d'évacuer ces, ces sédiments n'étaient pas regardés comme on le regarde aujourd'hui. Les impacts étaient très importants. Problème également parce que qu'on euh, a été quelque part tétanisé par l'existence, la connaissance de, ces, de ce stock de déchets qui, qui est là. Et qui a amené à ce qu'on n'a pas traité je, au fil de l'eau, si je peux me permettre, cette question de sédiments, pour donner quelques idées de grandeur. La capacité du barrage, c'est initial, c'est 3,6 millions de mètres cubes. Ce n'est pas un grand barrage, mais c'est un barrage qui est classé A, c'est-à-dire que pour fonctionner, il a besoin d'une autorisation et non pas d'une simple déclaration. C'est-à-dire que le dossier doit être beaucoup plus poussé que... Euh, voilà. Il est, fonctionne sous, sous, sous l'autorisation d'un arrêté préfectoral. Il a une hauteur de 37 mètres, ce n'est pas un barrage écréteur, n'est-ce hein, pas, Michel? Je, on on l'a bien dit, et donc il remplit ses fonctions hydroélectricité, tourisme, etc. À, à mesure, effectivement, que les sédiments s'accumulent, ils s'accumulent à quel à peu près à quel flux? Eh bien, il y en a la moitié aujourd'hui de ces 3,6 millions qui est rempli de sédiments. Ça veut dire que en moyenne, il y a 40 000 mètres cubes de sédiments qui arrivent dans le barrage. Et chaque année. Et donc, il a fallu attendre les années 2010 pour dire, oui, mais enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien assurer la gestion de ce stock et, et de cette arrivée en permanence de, de, de ça. Donc, les premières idées commencent à arriver et ils arrivent vers les années 2012 où le, le syndicat de Rivière euh, commandite une étude dans laquelle on pose la, le problème et on met déjà sur la table quatre scénarios permettant d'imaginer qu'on va euh, régler ça. Comment régler le problème Voilà. Ces quatre scénarios sont encore sur la table puisque les études euh, commanditées à un bureau d'études par le SDA, le SDA, donc c'est le syndicat propriétaire de, du barrage, retient toujours ces quatre scénarios, avec des pondérations qui montrent qu'effectivement, il y en a un ou deux qui n'ont pas beaucoup de préférence, en tout cas pour ceux qui euh, sont intéressés directement par l'exploitation. Il y a un qui consiste à augmenter la capacité de transit par les vannes. Il y a une première seule vanne, première on va y solution. revenir. On va y revenir, c'est le premier scénario. Donc ouais. on a fait le MB. Voilà. Ensuite, c'est. Le, le traitement un peu plus classique des sédiments, c'est-à-dire qu'on va les enlever soit mécaniquement, soit par, euh, par hydropompage, soit on va l'effacer, c'est-à-dire on détruit le barrage on et on revient barrage. de nouveau à une rivière libre. Et l'autre qui, je ne sais pas pourquoi il est toujours là, c'est un abaissement du niveau du barrage, ce qui ne satisfait aucune des conditions. Ce qui semble être, mais encore une fois, comme il n'y a pas eu de concertation à ce niveau-là, être la préférence de ceux qui font la gestion de ce barrage, c'est celui d'augmenter le nombre de vannes de façon à donner de la capacité lors d'une chasse pour que les sédiments s'en aillent. Donc on arrive à demander une autorisation de faire cette expérience qui est accordée par euh, la préfecture à travers un arrêté préfectoral. Et cet arrêté prévoit euh, toute une pardon préalablement à ça, excusez-moi, j'ai loupé une étape parce que en 2022, on, le, le, la préfecture demande à ce que soient étudiés pendant deux ans et en, en large concertation des scénarios pour traiter le problème. Et puis ensuite donne trois années supplémentaires pour régler pour faire faire l'opération que l'on aura retenu. Une fois qu'on aura les éléments d'étude. Voilà. Hein? Et là, on se retrouve avec un calendrier qui en, en 18 mois fait la concertation fait l'étude et fait l'expérimentation. Et il y a eu une vraie concertation Non, nous avons compris que l'expérimentation, il y a eu effectivement voilà. une ou deux réunions au départ, et puis ensuite ça s'est fait dans une concertation beaucoup plus étroite, dont nous, nous n'avons pas été d'affrappement, ni, ni bête, semble-t-il. Alors, en fait, on constate que cette expérimentation se fait sans précaution. Ça, pour moi, c'est très surprenant, parce que quand on expérimente, on est sur la nature, on est sur la vie de cette rivière, on est également sur l'émotion des populations qui sont autour de ce barrage-là, dans cette vallée-là, et donc on prend des précautions, ne serait-ce que, par exemple, faire une pêche, une pêche de précaution pour enlever les, les poissons et les traiter. On, on ne fait pas non plus, si vous voulez, une analyse de comment font les autres opérateurs pour traiter les sédiments. Mmh. L'état de l'art il se constitue sur l'expérience. Donc moi, je n'ai pas vu, j'ai vu des choses très sommaires dans les rapports d'études à ce niveau-là. Et puis ensuite, je ne suis pas certain qu'effectivement, on ait pu mener le protocole qui avait été autorisé en le contrôlant jusqu'au bout. Parce qu'en fait, les problèmes sont arrivés très soudainement les deux derniers jours, le 2 et le 3, parce qu'effectivement, on arrive à un assèchement, la vanne, est, si vous voulez, submergé par une, un torrent de boue et arrive ce que notre collègue de la Fédération de la Pêche Alors, a constaté. Tout, tout ça, cette décision se prend au niveau de la SDEA, SDEA qui est pilotée par... Olivier Amran, hein, euh, qui, qui est donc le, le président du Conseil départemental, euh, c'est la SDEA Syndicat de Développement Équipement Aménagement qui a quelques missions. Ces euh, missions, c'est de s'occuper de l'eau, de, de l'étiage, donc du moment où il y a de moins en moins d'eau euh, en été, euh, de s'occuper de l'irrigation, de l'eau potable. Euh, normalement, la SDEA aussi est sur l'économie et sur l'aménagement du territoire. Et alors on peut se poser la question si euh, tout le monde est respecté dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce que les, les riverains sont aussi respectés que les, que, que les agriculteurs Enfin euh, bon, il y a plein de questions qui peuvent se poser autour. Et alors, qu'est-ce qu'on pense euh, euh, à Écologie et Vert. Euh, alors, mon, Guillaume, moi, 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 je vais, moi, je vais, je vais vous apporter une une lecture plus politique c'est mon rôle ah oui, voilà rude, nous on fait de l'écologie politique donc du coup euh, c'est c'est l'analyse que, que nous en faisons nous euh, effectivement euh, on constate tous les problèmes qu'il y a sur ce barrage depuis son origine depuis même sa conception les années 70 et sa fabrication dans les années 80 en réalité ce barrage n'aurait pas dû être là il n'aurait pas dû être fait euh, alors à l'époque on avait un autre logiciel euh, mais malheureusement ben voilà c'était c'était une, une erreur de, de le construire pour tout ce qui a été dit le problème des, des sédiments le problème de la pollution euh, qui avait déjà avant et qui a continué à être faite euh, le, le, le problème de, de, de l'utilité économique euh, qui, qui n'a jamais été faite et, et ni même qui, qui aurait peut-être pas pu être faite même si euh, l'eau avait été euh, baignable et donc du coup ce barrage qui malgré tout a été construit euh, est, est une source de problème et aujourd'hui euh, on a le président du SDEA donc euh, Olivier Amran qui est et en Même temps, le président de notre département en Ardèche qui a choisi son camp pour nous écologistes. Euh, on pense que euh, Olivier Amran euh, n'aime pas l'écologie en réalité. Euh, euh, voilà, c'est un, un élu de droite qui a fait euh, des discours anti-écolo depuis euh, son accession au pouvoir. Euh, voilà, bon, il, il, il préfère clairement les chasseurs, euh, il préfère. Voilà, il fait une politique de droite, hein, voilà, je ne sais pas si on peut dire qu'il copie Trump, mais en tout cas, il n'aime pas beaucoup l'environnement et ni même l'Ardèche et euh, peut-être pas non plus vraiment les Ardéchois, vu ce qu'il a pris comme décision. Alors du coup, lui, il a, il a sur, ce, sur ce problème, il a réagi très vite, il a un peu roulé des mécaniques, il a choisi le camp euh, des, euh, des arboriculteurs, en tout cas les quelques arbo arboriculteurs qui auraient pu utiliser l'eau pour l'irrigation, en sachant que du coup, comme le barrage était plein de sédiments, il fallait euh, les évacuer pour pouvoir avoir de l'eau pendant, pendant l'été, même si euh, voilà, ce n'est pas du tout démontré, on, on, comme ça a été dit, l'irrigation, ce n'est plus vraiment nécessaire parce que les vergers ont diminué, parce que du coup on peut faire du goutte à goutte, parce qu'il faut faire des économies d'eau, etc et donc du coup il a décidé de vidanger le barrage de prendre la décision lui-même de demander l'accord de la préfète de l'Ardèche et il a fait se lâcher euh, d'eau et bien sûr de tous les polluants de tous les métaux lourds qu'il y avait euh, qu'il y avait dans ce barrage et pour nous ça ça a été catastrophique mais en même temps ça lui ressemble c'est quelqu'un qui du coup prend des décisions un peu trop rapidement euh, qui s'en fiche des, des 25 km de linéaire qui ont été pollués en aval en même temps ça l'intéresse de d'être identifié comme quelqu'un qui agit pour l'agriculture parce que en plus d'être président de l'Ardèche et du SDEA, il est aussi oui. vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ah. en charge de l'agriculture. Et donc du coup, ben, voilà, il, a, il a plutôt essayé de, de défendre le lobby euh, des agriculteurs, entre guillemets, qui, qui font partie de son électorat. Je pense à la FNSEA, euh, FDSEA, les jeunes agriculteurs. Euh, ce n'est pas le cas de la Confédération paysanne qui était absolument contre euh, ce barrage et son, son lâcher. Et voilà, donc c'est une décision politique d ailleurs, d ailleurs, qui... Je, je, je me permets juste oui. de t'interrompre quelques secondes parce qu'il y a, y, a, euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui se passe au niveau de la Chambre d'Agriculture. Il va y avoir les, les élections qui vont, qui vont avoir lieu dans, dans trois mois, deux, deux mois, hein, mm -hmm. euh, en janvier. Donc effectivement, il y a, y, a, y, a, y a un enjeu aussi là quand même. qui Oui, eh ben, oui, parce qui, que qui du coup, ben, il voilà, y, y a une portée politique. Euh, assez cet acte. Euh, et puis, du coup, voilà, il, dé, il défend euh, une branche de l'agriculture qui, qui peine aujourd'hui à, à encore conquérir de nouveaux électeurs. Euh, ce syndicat agricole, bah, on voit qu'il est à la peine. Et donc, du coup, à un moment, bah, il le soutient, il se soutient aussi lui-même en essayant de prendre des décisions qui, qui malheureusement, ne, ne conviennent à personne. Parce que je pense qu'en réalité, même les, les arboriculteurs qui auraient pu voter pour M. Amran ou les électeurs de droite, euh, qui votent Amran, bah, ils sont quand même stupéfaits de voir les dégâts qui ont été euh, faits sur l'environnement et, et, et sur l'image de marque de l'Ardèche. Après, euh, comment vendre des pêches euh, de la vallée de l'Arieux euh, quand on voit la pollution de l'eau Enfin, pour moi, c'est un peu euh, tuer. Euh, euh, voilà tuer le, le, si la branche sur laquelle on est assis, ou tuer la poulouse de d'or quand on est euh, arboriculteur. Moi, moi, ce qui me pose question, c'est le fait qu'il n'y ait pas plus de consultations, parce qu'apparemment, enfin, dans, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la fédération de pêche, il y a, il me semble, peu, peu d'informations, les gens étaient peu au courant, et il y a une commission que voudrait voir BED, BED voudrait voir une commission se mettre en place, mais da, déjà, au niveau de, de la fédération de pêche, alors... La, la, la concertation s'est passée, c'est pas passé. Alors, vous étiez au courant, vous étiez pas au courant Bien euh... sûr qu'on était au courant. Au niveau de la fédération, on a été, on a fait partie de la concertation. Euh, on a émis de nombreux avis, de nombreux avis, pardon, qui étaient les mêmes que que nos arguments qu'on a déposés au, au tribunal administratif, qui n'ont pas été pris en compte. Euh, mais on a fait partie de cette concertation. C'est pas le cas de nombreux autres acteurs euh, défenseurs de l'environnement, que ce soit BED, la Fratna, même le parc naturel régional des monts d'Ardèche, wow. qui est gestionnaire de Natura 2000 sur le secteur, n'a pas été concerté. Euh, on voit aussi que l'ensemble des, des élus de la vallée, les maires euh, n'ont pas été au courant. Enfin voilà, il y a un vrai manque de communication et, et de concertation. Alors après là, c'est la partie euh, politique. Nous, on est vraiment dans la partie factuelle. On a présenté nos arguments, ils n'ont pas été retenus preuve du contraire, ils auraient peut-être dû euh, retenir Demi nos Calix, arguments. Dominique Calix, pour le, pour le Parc euh, Naturel Régional, hein, euh, dit que normalement, l'engagement se passe entre l'État et les territoires. Euh, et si on veut qu'il y ait une charte qui soit respectée, il faudrait peut-être respecter la charte. Ça va jusque-là. Alors, cette commission euh, BED, bah, disons euh, qu'on a demandé euh, à la préfète de mettre en place une véritable concertation hein, sur euh, l'ensemble des parcs avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit associatif, institutionnel et autres, pour arriver à euh, non seulement être concerté et entendu, mais pour aller jusqu'à la décision. C'est-à-dire qu'on doit être associé en tant que citoyen. Nous sommes une association qui défendons euh, l'environnement et qui sommes très impliqués sur le, le bassin versant de l'Erieux. On a toujours fait ces travaux avec des scientifiques et des, on a vraiment beaucoup travaillé. Sérieusement, quoi. Depuis 40 ans, on travaille. Donc, il euh, n'y euh, a aucune raison qu'on ne soit plus entendu. Nous avons des spécialistes, quand même, hein, scientifiques et techniques. Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas entendu et qu'on ne puisse pas participer, d'une part, aux discussions. Et aux échanges pour trouver une vraie solution, et d'autre part, pour être décideur en même temps que l'ensemble des autres parties prenantes. Moi, je ne je, je suis pas en train de, de, de chercher à faire le procès d'Olivier Amran ou qui que ce soit, mais je dis seulement, euh, quand on met un bulletin de vote dans, dans l'urne, euh, ça peut avoir des conséquences, même sur, ce, ouais. voilà, sur ce, que, ce qui est juste à côté de chez nous, quoi, quand même. Hein, ouais. C'est ça qui se passe, là. Ouais. Bon, parce que c'est quand même grave, là. Moi, je vois euh, cette commission que vous, dont vous voudriez qu'elle elle se, elle se, se monte. Hein. Il, y a, il y a plein de signataires. Alors, c'est c'est à la fois la FRAPNA évidemment mais, mais c'est votre association, c'est la passerelle des vallées, le comité départemental canoë-kayak cano la confédération paysanne évidemment la compagnie des archers euh, la Célisienne la société odonatologie euh, alors, au -au -au alors en fait c'est les, les libellules il bah, hein. le ah, y, y en a plusieurs il y a, a, a mais... l'OFCE, les amis du Talaron, la, la belle vie de Saint-Michel de Chabrienneau fourmière, enfin au cœur de Chaloncon et euh, voilà, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en jeu, alors qu'est-ce qu'on dit un politique ben, Un politique il est élu par un électorat je pense que l'électorat de M. Amran n'est pas forcément dans les associations que vous avez citées, du coup lui il défend une autre, une autre vision de la protection de l'environnement voilà, c'est pas celle que nous on partage euh, en même temps, le conseiller départemental euh, euh, du, du canton, bah, bon, il, est, il est du côté de M. Amran, donc on ne l'entend pas trop non plus, c'est quand même euh, surprenant. Enfin, vu l'impact de la pollution, de, de, ce, de, de ce lâcher de sédiments, enfin, pour moi, il y aurait eu besoin de, de s'exprimer là-dessus. Voilà, bon, euh, la FRAPNA, euh, désastre écologique un Oui, peu, quand même. désastre bon. écologique, euh, bon, on n'est pas sur Tchernobyl, certes, mais ouais. la vallée, elle est quand même bien abîmée et pour longtemps. Bon, ce non, que l'on que que pourra, ce, ce pourra retenir, c'est que le problème reste entier. Oui, bon, le problème reste le entier. Le problème n'est pas résolu. Et donc, il faudra bien effectivement se mettre autour de la table pour essayer d'éviter ce type d'erreur et partager l'eau. L'eau, elle appartient à tout le monde. Et on n'est pas à opposer les uns aux autres sur cette question-là. C'est un bien public. Excusez-moi Sylvain, on a débordé un petit peu. Merci beaucoup, à... c'était passionnant. Et évidemment, on n'a pas fini le problème là. On n'est pas, on a... on pas allé au bout. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci. Au revoir à tout le monde.